roi des farceurs, par l'auteur Madère de la Cigale. Oh, rigolez, la ma devise, elle est bonne, croyez-moi, tant pis pour ceux que ça défrise, les farceurs, je suis le roi. La gaieté, la rigolade, je connectais, je me souviens qu'étant tout gosse, un jour j'avais chipé une cigarette, papa. J'aperçois un monsieur qui fume un gros cigare dans la rue, m'approche, et je dis pardon monsieur, voudriez-vous me donner un petit peu de feu s'il vous plaît? Je viens avec une fille, mon petit ami, mais à une condition, c'est que t'allumeras ta cigarette sans monter sur un banc. Oh, je dis monsieur, moi, je suis plus généreux que vous, je vous donne 100 sous si vous pouvez embrasser mon derrière sans vous baisser. Et là-dessus, je vous renvoie. Du reste, c'est moi qui suis l'inventeur du fil à couper dans les ponts. L'autre jour, je vais chercher Balachard, un vieux camarade. Je lui ai dit, non, mon vieux, viens-tu déjeuner avec moi? Ça va? Nous voilà partis, nous entrons à l'escargot en convalescence, et j'appelle le garçon. Je lui dis, comment est-ce qu'il s'appelle, votre patron? Thomas. Thomas? Tiens, j'ai un pot de chambre qui s'appelle comme ça. Oh, il dit, monsieur, c'est pas le même. C'est bien, parbleu. Le mien n'a qu'un œil et le vôtre en a deux. Là-dessus, j'appelle le patron, je dis, bonjour, monsieur Thomas, est-ce que nous serons bien servis chez vous? Oh, il dit, certainement, au doigt et à l'œil. Qu'il soit, ça nous est égal, mais l'œil, ça fera bien notre affaire. Là-dessus, on s'installe, on fait un repas succulent, et après, en sortant, je mets une belle pièce de 10 sous sur le comptoir. Pardon, petit patron, mais monsieur, vous en avez pour 12 francs 50. Oh, si ça ne fait rien, nous n'avons que ça. Oh, je m'en vais vous faire arrêter, ou plutôt non. Tenez, à une condition, c'est que vous allez aller chez le gargote qui est d'en face, et vous lui jouerez le même tour qu'à moi. Si ça, c'est pas possible, c'est lui qui nous envoie chez vous. Pensez si on s'est tordu. En sortant, je ne sais pas si c'est ce que j'avais mangé. Je pouvais plus y en plaire. Alors j'entre dans un petit endroit, vous savez, à 3 sous la stalle. La buraliste était à la porte, elle me dit, monsieur, c'est complet. Et ça ne fait rien. Je me mettrai sur les genoux de quelqu'un. Elle me dit, monsieur, ça ne se fait pas. Quoi, s'il ne se fait pas? Vous n'allez pas m'apprendre comment ça se fait, je le sais aussi bien que vous. Voyant que personne ne sortait, je me mets à crier, au feu, au feu. Alors là-dessus, là, tous les consommateurs qui se trouvent affolés, la serviette pas au cou, je vous prie de le croire. J'en profite, je prends une petite place, bien tranquille, et j'étais là quand je fumais ma douche. Tout d'un coup, je m'aperçois qu'elle était bouchée. J'attrape le petit balai de chien d'eau, arrache un petit brin, et je dévore ma pipe tranquillement. Plan, là, le balai qui se déglingue. Et je fais mieux une nuit deux, je colle le petit balai dans l'oreiller pour faire disparaître les traces de l'accident. Je sors, je le croise où elle est caissière et meuble la partie. J'avais pas fait 10 fois dans la rue. Elle courait après moi, elle me dit, monsieur, monsieur, et le petit balai? Je n'ai pas le petit balai. Elle dit, je vais vous faire arrêter. J'ai un cousin qui est domestique chez un sénateur, et il a le bras long. Eh bien, je dis, écoutez, s'il a le bras si long que ça, il a cherché votre balai, et puis fichez-moi la bête.